Tiens, je crois qu'on s'y barre ce coup-ci, pendant que notre ingé son se charge de réparer la scène pour pas qu'on se casse la figure. Salut, c'est Roud. Salut, Roud. Salut. Artiste, et moi, nous depuis longtemps, mais depuis bon, bah, peut-être que vous l'avez déjà croisé, puis sinon, bah, maintenant vous nous croisez. Donc cette première compo définit un peu qui je suis, c'est la première que j'ai faite d'ailleurs, ça s'appelle Je souris. Souriez dans la vie, au pire de se tirer la gueule, ça change rien, donc faut autant sourire. Hein. Ok, la prochaine chanson, enfin, la chanson sur la cigarette, d'ailleurs faut que j'arrête de fumer. Alors mais n'en faites pas, c'est pas promotionnel, hein. C'est tout l'inverse. Donc j'ai des gens d'ailleurs qui en sont déjà partis autour de moi, et moi j'ai eu la bonne idée de commencer et de continuer, donc je suis profondément dégoûté, donc j'essaie d'arrêter, et j'ai fait une chanson qui s'appelle « Moi et mon cancer ». Histoire de me fiche de moi-même pour ne pas être de guerre. Ouais, c'est un petit cylindre, pas plus haut que ça, qui te pourrit la vie, à toi comme à moi. Ouais, j'allume, je fume, mon Dieu que c'est bon, mais je crois surtout que c'est un piège à l'autre. On se tartine les poumons, un tas de poudron, c'est dégueulasse, ça encrasse, mais ça c'est la classe. À petit feu est devenu contagieux. En plus, on a d'en boire notre santé. Partir en fumée. Car moi, mon cancer, je l'apprécie. Et je sais qu'il m'aime aussi. Ah, je sais, j'en prends soin, je le nourris. Car lui et moi, c'est pour la vie. Yeah.
déconner, courir un peu, les poumons en feu, ne plus pouvoir respirer, à moitié asphyxié. Soudain, mais c'est pas de la poche. Non, non, j'ai plus de clope. Car moi, mon cancer, je l'apprécie, et je sais qu'il m'aime aussi. Mais cette relation n'en peut plus durer, la séparation va être dure à assumer. Mais cette fois, je suis sûr, de terre, j'ai la conviction, je plante mon cancer pour de bon cette fois. Allez, j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision. Allez, une petite dernière, et puis c'est bon. C'est ma bien faire rien, okay. Parce que franchement, hein, c'est beau quand même, un truc légal qui défonce tout le monde. C'est, ça tue tout le monde, ça ne sert à rien, plus c'est en vente libre. C'est quand même beau la vie, hein. Et après on garde le sourire. Voilà, et après on garde le sourire, en payant pour en buter. Il est bien foutu notre monde quand même. Hein. Moi aussi j'aurais bien aimé avoir une idée comme ça, vendre des trucs nocifs aux gens et gagner de l'argent avec. Bah non, on boit de l'alcool, mais... Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois, parce que ça rapporte de l'argent aussi, alors on peut tuer les gens, c'est pas dérangeant. Allez, la petite valse de l'air du temps, on va apaiser un peu tout ça, parce que là, on part sur des sujets qui font froid dans le dos. On va faire la petite valse à la cool. Dans ces moments bien bas, il faut se libérer, prendre un peu de distance et se laisser aller. C'est la valse de l'air du temps, celle qui t'emmène lentement, loin de la grisaille et des tas de ferraille. C'est la valse de l'air du temps, tu écoutes et tu l'entends, pour te sentir léger, le temps d'une paire de couplets. La valse de l'air du temps. J'adresse donc un message à toutes les âmes de passage, une poignée de refrains pour ne plus penser à rien. Le lien va s'envoler et la magie s'opérer, et avec les yeux fermés, on pourrait même rêver. C'est la valse de l'air du temps, celle qui t'emmène lentement, loin de la grisaille, de bruit, des doutes à l'opéra. C'est la valse de l'air du temps, tu écoutes et tu l'entends, pour te sentir léger, le temps d'une paire de couplets. La valse de l'air du temps. 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 La réalité est en vous, qu'il faut profiter de tous ces petits instants qui nous sont donnés, ne rien laisser filer, juste vivre et les apprécier. C'est la valse de l'air du temps, celle qui s'emmène lentement, loin de la grisaille, le bruit et le tas de ferraille. C'est la valse de l'air du temps, tu l'écoutes et tu l'entends, pour te sentir léger dans une paire de couplets. La valse de l'air du temps. C'est une performance qu'on fait pour vous là, c'est quasi olympique là. 5 litres de flotte en même temps qu'on joue. Vous avez vu jusqu'à quoi on est prêt à aller quand même pour notre public. Ah, d'un côté vous êtes là en train d'en suer avec nous, donc bon. Hein. C'est voilà. C'est une surcalorifie partagée. Moi je n'ai pas de terme, mais c'est bien de le partager avec nous. Bon, on va faire une chanson sur les photos d'identité.
cet enchantement, ce régal pictural qu'on voit à chaque fois qu'on les sort, qu'on a l'impression de ressortir de prison, c'est génial. Donc on va faire un petit chanson là-dessus. Avoir la monnaie. Et moi j'ai dit, tu sais, c'est pas si grave que ça. On en est tous passés par là. Et direction le photomaton, comme les clichés de la police quand ils chopent un prix de justice. Et en avant pour le tolari qui fait sur papier poussé les qui sort de cette machine et se dire mais comment ils font pour me réidentifier avec cette photo quoi. C'est vrai, quand je vous montre ma carte d'identité, vous me voyez moi. Pas moi. Bon, continuons de nous liquéfier gaiement. J'hésite un peu si on fait de la nouveauté. Ouais. Un petit média poubelle, mon amour de tout ce que les médias ont à nous offrir pour nous rendre débiles. Poubelle.
d'avoir des gens qui détournent du réel. Une ritournelle et adieu les débats rationnels. Médias standards ou bien Internet, c'est la profession pour les nouveaux prophètes. Mais si du fake, la religion des news planètes fait des adeptes. Relayant les infos suspectes, écoutons ces experts qui n'en ont que le nom, ou bien tous ces docteurs sans doctorat à l'horizon. N'importe qui comme ce sujet, son avis sur les sujets mal maîtrisés, en étonnant d'entendre à l'antenne tant de débilité. Et faut que ça buzz, et faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles de Hanouna. Problème d'avoir des gens qui détournent du réel. Une ritournelle et adieu les débats rationnels. Alors d'où que ça vienne, vous vérifiez les faits avant de s'emballer. Parce qu'en fait c'est les faire chercher, de faire voir rouge ou bien sortir de tes cons. Car quand tu t'énerves, plus de critiques à l'horizon. Il laisse pas passer la pilule quand on veut prendre pour un con. Laisse ton esprit allumé, faire preuve de lucidité. C'est pas parce qu'on passe à l'écran qu'on détient la vérité. Ouais, faut que ça buzz, c'est faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles de Hanouna APFM. Avec la com comme emblème, problème d'avoir des gens qui détournent du réel. Méfiez-vous des écrans, vérifiez les sources, vérifiez les infos, vous alarmez pas pour le premier truc qui vous paraît, parce que c'est fait pour. Donc voilà, ouais, c'est ça. Tous les titres comme ça, déjà, vous savez que c'est du bullshit. C'est clair, ouais, aussi. Ouais. Et alors, next. Bah tiens, j'ai l'ancêtre de celle-là, en fait, qui s'appelle l'éducateur, parce que là, j'ai adapté ça à la nouveauté. Mais j'avais déjà des griefs contre les médias, donc j'en ai fait une ancienne qui parlait plus de la télé, sauf que bon, c'est un peu plus old school. Mais oui, j'ai connu la télé qui est un hic. Je suis déjà vieux. Une petite partie que tout le monde adore, le super partage de l'accordage avec vous. Après, je suis peut-être le seul à l'entendre, hein. C'est fort probable d'ailleurs, mais ça me perturbe de trop en fait. C'est la malédiction du musicien, ça. Plus tu prêtes attention aux désaccordages, plus ça te fait galérer en concert. Frénétique. Alléluia.
flots d'infos pêle-mêle, à s'engriller la cervelle, à croire que le monde tourne plus vite que la Russie, à croire que le monde tourne plus vite, à croire que le monde tourne plus vite, à croire que le monde tourne plus vite que la Russie. De plus en plus de chaînes qui t'enchaînent et qui tiennent doucement du réel, la nouvelle glu vient d'arriver pour te coller derrière chaud au canapé. Et la avalanche de mégabits t'arrive droit du satellite et tu t'en prends tant dans la tronche que tu sais même plus où t'habites. Alléluia, tu capterais là, on bouge pas, on reste B.A. On est tout quoi, on n'a pas n'importe quoi. Un flot d'infos pêle-mêle à t'engriller la cervelle, à croire que le monde tourne plus vite que la Russie, à croire que le monde tourne plus vite, à croire que le monde tourne plus vite, à croire que le monde tourne plus vite que la Russie. Alléluia, tu capterais là, on ne bouge pas, on reste là, on est tout quoi, on n'a pas n'importe quoi. Un flot pêle-mêle à croire que le monde tourne plus vite que la musique. Merci. C'est un combat là. T'as vu, s'il le faut, là, je pourrais arracher la peau. Le bas. Concert en caleçon. Pas de bière pour les enfants, mais concert en caleçon, ça passe. C'est quoi cette logique là? Générique. Ah, découpé à roule. Bon, tant pis. Tant pis pour mon logo. Je n'ai pas besoin de logo pour exister. Ça va, vous avez bien? Voilà. C'est la guitare, tu peux faire. Merci. Bah après, j'avais vu que j'étais solo, au bout d'un moment, super. Fallait que je vole un peu le truc pour moi-même m'amuser, parce que sinon, à la fin, genre ça tout le temps, vous savez. Ouais, fallait que je... qu'on monte un peu le niveau. Voilà, faire une nouvelle chanson, ça s'appelle « J'aime pas les gens qui tirent la gueule ». Nickel. Ah, c'est bien. Alors, le sourire. Je vais la switcher, et si ça me revient, je la referai finalement. Parce que celle-là, je sentais qu'elle vous tentait. On va plutôt faire « L'art, c'est de la merde ». C'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois peintre, artiste ou bien musicien, ça n'a clairement pas d'utilité. Perdre son temps en futilité, danser, chanter, me faites pas rigoler. Que tout ça, c'est pas les vrais métiers. L'art, c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois comédien, peintre ou bien plasticien. Tu crois que je vois pas clair dans tout ça? Je vois bien que c'est tout dans la fiesta. C'est pas du taf dans ces conditions-là. Oh, désolé, mais un vrai travail, on l'aime pas. L'art, c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois un gesson là et tout bien comédien. Passez votre temps à rien branler. Je dis bien que vous êtes payé. Ah, je vois très bien, vous faites des petites journées. On n'est pas censé s'amuser. Vu que c'est de la merde, ben on va s'en délester. Plus de musique à ton mariage, plus de DJ dans aucune salle. Oublie les films au cinéma, le théâtre t'en verra pas. Aucune peinture sur ton mur, et ouais, y'a plus rien, et juste un mur. Enlève toutes les décos chez toi, ah ben c'est de l'art, vous en veux pas. Plus de chanteurs dans ta radio, plus de chanteurs non plus dans le métro. Souvenir au cirque avec papy, ben y'a plus de cirque, alors tant pis. Exit concert et festival, dégage tout ce qui maintient le moral. T'as pas besoin d'activité, contente de toi juste de bosser. L'art, c'est de la merde. L'art, c'est de la merde. C'est la merde, et c'est partiellement vrai. Parce que t'as aucune idée de ce qu'on peut en chier. Ah, c'est un job de passionné. T'as intérêt à t'accrocher, horaire décalé, les journées surchargées. Ah, le taille de taf à boucler à côté. C'est sûr qu'on est des gros feignants. Moi, je m'en rends tellement plus compte maintenant. Viens donc tester, et tu pourras critiquer. Viens donc tester, et tu pourras.
sable. Bah ouais, parce que c'est mon quotidien. Assez d'amener dans un seul mot pour certains. Moi je pense pas ça, parce que c'est mon quotidien. Moi je pense pas ça, parce que c'est mon quotidien. Merci. Bon, je vais faire une chanson sur les débits de boisson. Non, je déconne, pas les débits. Plutôt les gens qui en abusent. Mais qui l'ont méchant. Voilà. Ceux qui ont l'alcool méchant plutôt. Ah oh, ici c'est du genre. Non, voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas concernés. Bah, c'est moi le leader alors, t'as vu ? Avec 1m80, 85 kg. Bouffe dehors. L'alcool oui, méchant non. L'alcool oui, méchant non. J'avoue bien la manif pour rien sur ce. Ça me fait trop marrer, la manif, tu sais qu'il n'y a pas de message en vrai, t'sais. Les gens ils manifestent juste pour dire rien. Ça me fait trop marrer. Ça s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'est pas un mauvais gars. Dans son état normal, sûrement comme toi et moi. Personne lambda dans la foule effacée. Mais son problème, c'est son sinistre secret. Ce n'est pas un vampire ou encore un loup-garou. C'est un secret très demandé de notre temps. Comme pas mal de gens qui s'alcoolisent hors limite. Le conducteur réveille les démons qui l'habitent. L'un débarque quand l'autre fait sous la table. C'est Dr. Gigi et Mr. Ride. Pas dit une éprouvette, mais plutôt d'un blanc bien sec. C'est Dr. Normal et Mr. Comptoir. L'un vit le jour, l'autre se perd dans les bars. Et quand Dr. Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr. Comptoir qui vient prendre le contrôle. Sortir des bas-fonds, pas juste promener en sortie de bar tard, ouais, pour croiser de sympathiques cauchemars qui crachent leur rage au hasard. Oh, l'homme des cavernes de retour au 20e siècle, des fermentations, du distillat de high de sans modération. Docteur Jekyll, Mr. Hyde, l'un débarque pour l'autre fils sur la table. Docteur Jekyll, Mr. Hyde. Pas les d'une éprouvette, mais plutôt d'un blanc bien sec. C'est Docteur Normal et Mr. Comptoir. L'un vit le jour, l'autre se perd dans les bars. Et quand Docteur Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr. Connard qui vient prendre le contrôle. Docteur Jekyll, Mr. Hyde. Docteur Jekyll, Mr. Hyde. C'est Mister Connard qui vient prendre le contrôle. Au revoir. Waouh. T'as une souveraine nulle, ça. Pas bien, ça va. T'as une bonne vibe aussi. Ouais. Non, parce que mon répertoire c'est mes chansons en fait. Mais je m'appelle pas Renaud. Des chansons de Roud, si tu veux. Si tu veux, j'ai plein d'autres chansons de Roud et en plus elles sont super sympas. Ça se laisse écouter et tout. Allez, bah envoie alors. Allez, vas-y, enroule alors. On va tiens une participative. En fait, ça va faire quand on rentre de chez soi, qu'on a quelqu'un à la maison qui a passé une très mauvaise journée, ou soi-même, et qu'on fait payer ça à l'autre. Donc ça s'appelle C'est pas ma faute. Et dans le refrain, ça va faire. C'est vrai qu'il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Tu sais, c'est pas ma faute si vous vous sentez tenté, hein. J'ai comme l'impression que t'étais un peu énervé. T'inquiète, y'a des indices qui m'ont aidé à capter. Peut-être le parapluie qui vient me voler.
à travers l'appart en entier. Ou bien les murs fissurés après avoir entendu la porte claquer. Ou 400 jurons j'ai capté dans la cage d'escalier. Il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Mais tu sais, c'est pas ma faute. C'est vrai qu'il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Mais tu sais, c'est pas ma faute. Tu vois le truc, c'est juste que j'ai pas envie d'être à côté. C'est sympa que ce soit la personne qui t'aime, qui trinque quand tu t'énerves. Alors continue comme ça, et la prochaine fois je t'inscris dans un club de MMA. Qui vous a saoulé dans votre journée. Je connais un artiste qui a fait une chanson qui correspondrait. Il va être tout flatté, alors qu'il devrait pas. Mais moi, dans ma journée, je me suis saoulé moi-même. C'est pas partout. Ouais, je vais faire une chanson sur les gens qui s'auto-soulent. Allez, Sambo. Allez, ça y est, t'es branché, ce matin, je me suis levé, j'ai senti qu'il y avait un truc qui bougeait. J'ai sondé dans mon âme pour savoir ce qui se passait. J'ai trouvé, je crois que je me saoulais moi-même. J'ai plus l'habitude d'être avec moi, je me saoulais moi-même. J'en ai marre de m'entendre penser, j'aimerais bien me la faire à la fermer. Sauf que c'est la petite voix qui est en moi, je crois que je me suis saoulé. Pas pourquoi ce matin-là, c'est pas passé. David, je suis toujours le même, plutôt en accord avec moi-même. Mais ce matin-là, je sais pas pourquoi, soit je me suis saoulé. Merci.
Attends, on va avoir de rire. Mais non, on n'est pas encore bourré, vas-y, tu Je crois que je me suis bourré. Ça ressemble un peu tes impros, non? Mieux se bourrer tout seul. Ouais, grave. Bourré en mi mineur. Et le pire, c'est que ça existe, et que c'est même pas de l'alcool. Et là, c'est bien, c'est... Heureusement que j'ai pas des publics comme vous tous les jours, sinon je pèserais 3 heures. Une fois, quand je travaillais, à un moment, j'ai une collègue qui était un peu survoltée et un peu relou. J'ai dédicacé une chanson en country parce qu'elle le méritait. Ça s'appelle Triphasé. Statique, sauf pour l'électricité. Elle voulait toujours tout casser sans trop qu'on sache pourquoi. Avant un jour, elle dit, c'est à cause de ça. Quand elle était bébé, ça lui a laissé environ 20 bons petits litres dans le sang. Et maintenant, maintenant, elle est fulminant dedans. Oh, elle est énervée, à longueur de journée, elle s'y apprendrait pas grand chose pour la contrarier. Elle est énervée, à longueur de journée, et on sait pas trop comment qu'on va la calmer. Un transfo, un truc pour calmer les débits, mais y'avait bien trop de flow, et ça n'a pas suffi. Qu'elle pouvait en supporter. Elle était un peu maboule, mais elle manquait pas de cœur. Si dans le cas présent, c'est celui d'un réacteur. Je suis triphasé, le courant l'a tout fait sauter. Je suis triphasé, triphasé, et je crois bien que l'ampoule est la grillée. Étant donné qu'on se fout bien de nous ces derniers temps et qu'à chaque fois qu'on nous dit qu'un machin est vert ou qu'il est écolo ou que ça, en fait c'est pas du tout le cas. Ouais, non mais c'est ça, tu vois, les voitures sont vertes, le lithium est vert, tout est vert, c'est génial. Donc la chanson s'appelle Tout est vert. Parce qu'ils me font bien rire. Des voitures vertes, des avions verts, du pétrole vert, de l'uranium vert. Enfin, ça c'est normal, mais. T'assumes, tout est vert. Oh, j'assume tout, moi. En mode que bon, les que bon acoustique sans la statue. Écolo du coup, c'est génial pour ne surtout rien changer. Un bon vieux gris.
moi chier en avant la machine à laver. La croissance est verte, l'économie aussi. Et la croissance verte, non, c'est pas une connerie. Bon, on est bien parti, donc autant continuer. On va foutre du verre partout et les écolos vont nous lâcher. La croissance verte, surpêche verte, et puis désert vert, industrie verte. C'est pervers de mettre trop de verre. Bien parce que c'est vert, si c'est vert, c'est super. On n'a plus de soucis à se faire. Maintenant tout est vert et on continue comme hier. Tu deviens vert. Nos sables et cols blancs sont devenus des cols verts. Aux discours mensongers qui nous font vivre un vrai calvaire. On croit que ça va bouger. À peine vers prononcer qu'ils prennent déjà le contre-pied. Investissons dans le charbon. Mais le charbon vert, on a fait attention. Et investissons dans les fossiles. Mais les fossiles verts, on n'est pas si débiles. Surpêche verte, et croissance verte. Désert vert, la pluie verte. Surpêche verte, et puis mort verte. C'est pervers. Allez, maintenant tout est vert et on continue comme hier. Tout devient vert lorsqu'on met le mot derrière. Même délétère, tout va bien parce que c'est vert. Si c'est vert, c'est super, on n'a plus de soucis à se faire. Allez, maintenant tout est vert et on continue comme hier. Merci. Voilà, on change un adjectif et on change rien. Déjà, vous l'avez pas vu, mais pendant cette chanson, je suis de merde. Vous vous rendez pas compte, mais je suis beaucoup plus écologique maintenant. Vous voyez la différence? Moi non plus. Bon, vu l'heure qu'il est, je pense qu'on va faire une petite dernière. Bon, je vous suis. Comment? C'est vous qui me direz quand j'arrête. Bon, et pour... Je vais juste faire un coup... Je vais juste faire un coup de triche pour que j'aime pas les gens qui tirent la gueule, parce que j'ai envie de la faire. Donc pour une fois, j'avoue, c'est très rare que je sorte ça, mais juste pour les accords... Vous avez le droit de me huer, de me maudire, mais tant pis. Alors, M9. Ah, d'accord. Ok. Ok, c'est mieux. Ok, c'est bon. J'enlève un tout petit peu de sueur avant de pouvoir vous regarder et de pleurer ma race. Alors, j'aime pas les gens qui tirent la gueule. Si vous saviez comme ça me fait chier de voir leur petite tête en premier. Mais allez donc vous recoucher. Je te parle pas de ceux qui ont de vrais problèmes, mais de ceux qu'on trouve à la pelle avec leur tête détirée, alors que leur vie est loin d'être ratée. Allons voir ailleurs, dans des pays où on est moins gâté. Tu verras que ta vie c'est le paradis à côté. Va donc voir ailleurs, dans des pays où on te laisse crever. Tu verras que ta vie c'est le paradis à côté. Jette un œil, on croirait qu'ils portent des linceuls, un peu comme dans un film de zombies, sauf que là ils ont l'air un peu plus en vie. En vie en tout cas, ils ne font pas. Ça me déprimerait d'être triste comme ça. En plus, c'est vraiment très mauvais. Après tes traits, reste marqué. Va donc voir ailleurs dans des pays où on est moins gâté. Tu verras que ta vie c'est le paradis à côté. Va donc voir ailleurs, dans des pays où on te laisse crever. Tu verras que ta vie c'est le paradis à côté. Moi j'aime pas les gens.
ville comme ça me fait chier, sachant que sa vie n'est pas trop compliquée. Faut juste savoir en profiter, essayer une seconde d'ôter la bonde de la baignoire de votre tristesse qui se remplit petit à petit. Cela chasserait peut-être votre détresse. Va donc voir ailleurs dans le pays, on est moins gâté. Tu verras que ta vie c'est le paradis à côté. Va donc voir ailleurs dans le pays, on te laisse crever. Tu verras que ta vie, tu ferais mieux d'en profiter. Tu verras que ta vie c'est le paradis à côté. En général, quand je dis le titre, c'est bizarre, les gens ils tirent la gueule tout de suite. J'aime pas les gens qui tirent la gueule. Vas-y, écoute cette chanson. Non, j'aime pas les gens qui tirent la gueule alors qu'ils ont pas de problème. Ben non, mais pourquoi tu t'es senti visé? Pourquoi? Ben oui, merci. Mais non, toi, c'est pas non, toi, tu tires pas la gueule. Parce que... Ben non, tu tires pas la gueule. J'ai rien au problème. T'avais pas de sentir visé par la chanson. Elle s'adresse aux gens qui tirent la gueule. Bon, la prochaine chanson. Mais tous me disent, attends, je prends le concert et je te parle après. Il me reste 5 minutes, je vais en faire une dernière. Une ou deux. Bon, on s'en fout, je continue là, du jam. Une. Ah, je choisis bien alors. Que voilà, c'est fini. Attends, ça c'est la théorie. Ah, je vais faire, on fait quoi? Allez, je vais attendre. Petite chanson révolutionnaire. Allez, on fait quoi démocratiquement parlant pour se faire entendre? On verra si je retiens toutes tes paroles. Montrer son mécontentement, mais sans trop chahuter. C'est même plus manifester, c'est une parade des opprimés. Même à plusieurs millions, on n'a pas l'air trop dérangé. Si vraiment t'as des idées, tu cries pour te faire changer. T'auras pas une pétition, t'auras un tir de LBD. Si tu veux des changements maintenant, tôt pour 50 ans, prépare-toi à être fiché, élément radicalisé. On fait quoi? Le débat n'existe plus, on fait quoi? Quand ta voix n'est pas entendue, on fait quoi? Quand tous les chemins sont obstrués et qu'il n'y a plus que le rapport de force qui reste pour se faire écouter, on fait quoi? Personne s'attaque au vrai sujet, on fait quoi? Quand on opprime ceux qui essaient, on fait quoi? Face à un système périmé, poussé doucement vers la sortie par les problèmes qu'il a créés, on fait quoi? Projet, quand par toute la société, c'est vrai qu'on n'est pas concerné, qu'on n'a pas notre mot à dire, trop con pour comprendre les budgets. Et puis si on n'est pas d'accord, c'est qu'on nous a mal expliqué. Qu'on plus haut, on remonte dans les institutions. Les contre-pouvoirs s'estompent doucement à l'horizon, face à de nouveaux monarques qui peuvent tout décider et dont les décisions ne peuvent être contestées. On fait quoi quand le débat n'existe plus? On fait quoi? Ta voix n'est pas entendue, on fait quoi? Quand tous les chemins sont obstrués et qu'il n'y a plus que le rapport de force qui reste pour se faire écouter, on fait quoi? Personne s'attaque au vrai sujet, on fait quoi? Quand on opprime ceux qui essaient, on fait quoi? Face à un système périmé, poussé doucement vers la sortie par les problèmes qu'il a créés, on fait quoi? On fait quoi?
Pour s'attaquer au vrai sujet, on fait quoi? Pour redresser la société, on se rassemble. Car ensemble on peut tout changer, je crois bien que c'est les habitants qui font le cœur de la société. C'est tous ensemble qu'on pourra seulement surmonter toutes ces galères qui vont sûrement nous arriver. Alors motivons-nous les amis, va falloir s'emparer de quelques petits problèmes de société. On fait quoi? C'était ma dernière chanson. Merci de votre attention. Il y a d'autres artistes après. Il y en a d'autres après moi. Tu vois, je fais une dernière. Non. Je fais une dernière. Bon, bon, allez, hein. Soyons fous dans ces cas-là. Pour la route, tant qu'à faire. C'était une soirée où on m'avait invité, où mes amis. Donc, une dernière pour la route. Puis merci en tout cas de vos encouragements. Ça fait super plaisir. Donc cette chanson, c'est parce que des potes m'avaient invité pour ne pas communiquer avec moi. C'est-à-dire ils m'ont invité pour chacun regarder un écran différent. Et j'ai jamais compris pourquoi ils m'ont invité à cette soirée. Donc ça m'a profondément agacé. Donc j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Sauce sympathique, soporifique pour leur soirée. Quand je suis rentré, que j'allais m'emmerder, j'avais ce pressentiment qui me taraudait au fond de mes pensées. Un petit titre qui me vibrait, qui m'imaginant, faut pas y aller. Mais moi j'ai quand même poursuivi mes projets. Et tu sais quoi, c'était pas une bonne idée. J'ai quasi instantanément arrêté. Mais c'est pas grave, j'ai passé la porte et je suis rentré. Et j'ai regardé le temps filer. J'ai dit les mecs, cette soirée, elle est so sympathique. Un jeu de société tenté qu'à légèrement marché. Pendant quelques secondes, jamais j'ai espéré. Puis finalement, ils ont pas du tout accroché. Donc je suis laissé regarder leur écran. Et je suis retourné bêtement à mon canapé pour regarder pendant toute cette soirée. Le temps continuait de filer. J'ai dit les mecs cette soirée, des so-so sympathiques et même un peu soporifiques. Contrer la monotonie est un sacré défi. 4 heures de silence, ça ne me pose pas de soucis. Mais carrément que si. Regardez la taille, on voit bien tous les petits détails. La fabrication, c'est made in Taiwan. Ça doit être la seule chose que j'ai retenue toutes les fois où j'y suis allé. Donc au final, je suis plus retourné. Et j'ai dit les mecs, cette soirée, les sauces sympathiques et même un peu soporifiques. J'ai dit les mecs, cette soirée, so sympathique et un peu soporifique. J'ai dit les mecs cette soirée, so sympathique et même un peu soporifique. J'ai dit les mecs cette soirée, so sympathique et un peu soporifique. Merci. Merci à toutes et à tous, donc c'était Roud, un artiste rémois. Merci de votre soutien, merci de vos applaudissements, merci de votre sourire. Merci au Bronca pour l'organisation et de nous faire jouer, nous vivre, nous artistes, car sans lui, je ne serais rien. Voilà, donc merci à tous.